Monsieur le Président, il est l'heure de rendre compte. Mais de quoi parles-tu, honorable? Le peuple réclame la réalisation des engagements que nous avions pris. Vos promesses et celles du gouvernement. Non mais, ne savent-ils pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient? Non, Président, ce n'est pas le cas. Les citoyens sont dans leur plein droit de suivre et d'évaluer le taux de réalisation de nos différentes promesses. Mais mon bilan est positif. Mon Président, entre nous, tout n'est pas que positif. Nous avons certes des projets achevés, quelques-uns en cours. Par contre, les autres projets, rien n'est encore fait. Dis-moi au juste, tu as changé de parti? Non, Président. N'oubliez pas que si nous sommes à la tête de ce pays, c'est parce que le peuple a cru en nos promesses. Merci, honorable, pour ce rappel. Les technologies de l'information et de la communication ont donné plus de pouvoir aux citoyens. Pour comprendre, visitez le www.laidi.org. Tout y est, vos promesses ainsi que l'évaluation de leur niveau de réalisation. Quelle exigence! Oui, c'est une dette dont le peuple est créancier. Ce message vous a été proposé par le MOSAP avec l'appui de Osiwagine.